te jure que ça existe. J'ai vu un reportage. Il disait qu'on était entouré de fantômes et d'esprits. Des esprits, n'importe quoi. Je suis là. Esprit. Si, si. Oh, oh mince, il connaît ton nom. Tom. S'il te plaît, ouvre-moi, je suis coincée. Merci. Victor m'a enfermé. C'est sa façon de me souhaiter de bonnes vacances. En parlant de vacances, qu'est-ce que vous avez prévu, vous? Ça y est, j'ai trouvé. Extra Park, vous avez envie de karting, de concerts, de paintball? Extra Park, c'est la colo qu'il vous faut. Maman, papa, on a trouvé nos vacances d'été. Colo, collège, les vacances de vos rêves. Un mois d'études pour se perfectionner dans toutes les matières, c'est pas super. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà inscrit. Mais Extra Park alors? Colo collège ne dure qu'un mois, vous irez à Extra Park en août. Vous allez voir, ça va être chouette. Et vous allez le voir très vite parce que Colo collège, ça commence dans... demain matin. Maths, anglais, botanique, l'éclat total. Ben, y a secourisme, ça peut être cool. Même si on te demande de t'entraîner à faire du bouche-à-bouche à une vieille dame en détresse. C'est sûr que dit comme ça, si seulement on pouvait avancer dans le temps. Prêt à sauter dans le futur? À pieds joints même! Que les 30 prochains jours s'évaporent dans l'espace-temps! T'es sûr que ça a marché, là? Qu'est-ce que tu crois? Quoi? On est le 31. Mais Colo Collège, c'est jusqu'au 31. On va devoir passer toute la journée à l'école. Merci, Cindy. Pleure pas, microbe. Je corrige le tir d'un coup de... Oh non! Maman, appelle la baguette! Ouais, bon, ça va. Sans moi, on y aurait passé tout le mois. Et voilà le sandwich préféré de mon petit héros d'amour. Prends des forces, au cas où on aurait besoin de Super Tom. Et pour mon atroce petite nièce, un bon gros sandwich. Bonne journée, vilaine. Monseigneur. Surtout ne me demande pas comment je suis arrivé là. Eh ben dis donc, à Colo Collège, y a pas grand monde. Faut dire que c'est pas les vacances de rêve. Bah, c'est quoi ce délire? Hé les filles, waouh, c'est de la folie ce matin, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? On nous parle? J'entends rien, moi. Moi non plus, c'est que ça devait pas être important. Faut dire qu'il est ultra courageux. T'es le meilleur, Tom. Ouais. Tom, tu voudrais bien prendre un selfie avec nous? Bien sûr. Ouais. Pardon, Victor, c'est ta place. Je suis désolée, j'ai pas regardé où... Bah non, c'est bon, t'inquiète pas. Tu t'assois où tu veux. Et tiens, mon goûter pour te remercier. Oh là là, je suis désolée, je voulais pas lâcher ton goûter, je... Non, c'est moi, je te l'ai mal donné. Les enfants, s'il vous plaît, cet après-midi, il y aura une cérémonie en l'honneur de notre cher Tom qui recevra une médaille pour son geste héroïque. Ouais. Vas-y, Tom, t'es le meilleur, lâche rien. Oh là là, je peux pas croire qu'elle ait fait ça. C'est horrible, quoi. Là, c'est vraiment trop pas cool. C'est clair. Elle se prend pour qui, celle-là? C'est vraiment horrible. Salut les filles, y a un problème? Pourquoi tu demandes? T'as peur que le scandale t'éclabousse? Alors évidemment, s'il te plaît.
Hey, salut Tom. Oh, salut Ahmed. Pfiou. Alors, ça roule? Ça va, c'est cool. Je rêve où il vient de dire bonjour au mec le plus cool de l'école. Hé, hey, Tom, je voulais te dire, t'as vraiment assuré l'autre jour. Merci. Oh là là, c'est génial. C'est horrible, tu veux dire. Tout le monde me déteste. Ouais, bah moi, tout le monde m'adore. C'est bien la preuve qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Comment on peut t'adorer, toi? Facile, parce que je suis beau, je suis fort, je suis sympa, je suis grand. Enfin... Mais qu'est-ce qu'on a fait pour être aussi détesté? Adoré. Ok, c'est louche. Essayons de savoir ce qui s'est passé. Jojo, tu pourrais mimer la scène qui m'a rendue célèbre parce que moi, je l'ai vécue, alors je me rends pas bien compte. Bien sûr. Alors, c'était génial. Toi, t'étais comme ça. Et Victor, oh, et là, t'as fait ça. Et là, plouf. Et là... Et là, toi, t'as... Et après, t'as fait ça. Tu vois, quoi? Salut, Ahmed. Je voulais te demander... Hé, hey, tu vois pas que j'écoute de la musique? J'en ai pas pour longtemps, c'était juste pour te... Salut Jeff, tu pourrais me raconter ce qui s'est passé l'autre jour parce que moi dans le feu de l'action, bah j'ai rien vu. Désolé, avec ma nouvelle coupe, moi non plus j'ai rien vu. Les filles, je sais comment me faire pardonner, faites-moi exactement ce que je vous ai fait, comme ça on sera quittes. Être la fille la moins aimée de l'école, d'accord, mais j'aimerais au moins savoir pourquoi. Hein? Oh? Je crois que j'ai la solution, microbe. Le journal de l'école en direct de la classe de Tom. Mademoiselle Fossette, pourriez-vous nous dire ce qui a fait de Tom un héros? C'est au parc que notre histoire démarre. Laisse faire les pros, Minus. Hey, tu veux que je fasse pareil? Il respire plus. Tom a pu montrer son héroïsme. Et grâce aux leçons de secourisme, du bouche à bouche à Victor, il a fait... Il l'a sauvé. Je vous emprunte le petit héros pour une interview héroïque en privé. Ah non, pas question de retourner dans le passé. Tu veux que je me tape la honte pour les 10 ans à venir? Chacun son destin. Moi, je suis un vrai sauveteur maintenant. Arrête, t'as même pas suivi un seul cours. Au moins, t'apprendras à faire ce qui t'a rendu célèbre. Faire du bouche à bouche à Victor. Bah. En plus, Mademoiselle Fossette va me donner une médaille et sûrement me faire un bisou. Allez, s'il te plaît, reviens avec moi dans le passé. On a fait le sort à deux, ça marchera pas si je suis toute seule. Non, débrouille-toi. Et c'est avec fierté que nous te remettons la médaille d'honneur du secourisme pour ton sauvetage héroïque. Oh. T'as ta médaille, je peux rentrer dans le passé? Il s'étouffe. Tom, un nouveau sauvetage pour toi. Tom. Oui, mais non, enfin si, j'ai juste besoin de mon stéthoscope. Pas le temps, Tom, sauve-le, tu sais comment faire, toi. Toi qui voulais te racheter, vas-y, c'est l'occasion. Non mais ça va pas, c'est toi le héros, je te signale. Allez, t'as déjà embrassé un garçon. Toi aussi, je te rappelle. Secourisme, ça peut pas me faire de mal. On revient juste avant le cours de secourisme, il y a 2 jours. Il y a 3 jours, ça t'embêterait? Apparemment, il y avait foot et frites ce jour-là. Ok, t'en
que c'est pas 3 mois. Que les 3 derniers mois ressurgissent de l'espace-temps. Oh, t'as dit 3 derniers mois au lieu de 3 derniers jours. Oh, t'as raison. On est le 30 avril. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Qu'est-ce que vous traficotez avec ma baguette? Allez, hop, préparez vos affaires. Plus que 2 mois et c'est les vacances. C'est fou ce que ça passe vite, vous ne trouvez pas? Ouais. Non. Le Météor 7 Plus est tellement mieux que le Météor 7. Il a une fonction rangement. Non. Alors tu gardes ton téléphone et tu ranges ta chambre. Qu'est-ce qui se passe ici? Je veux un Météor 7 Plus, maman. Si c'est si important pour toi, tu devrais travailler et gagner de l'argent pour te l'offrir. Il faut que tu apprennes la valeur des choses. Regarde ta fontaine sirène. Tu l'aimerais autant si tu n'avais pas travaillé dur pour la fabriquer. Je peux pas fabriquer un téléphone, papa. Mais tu peux travailler pour t'en acheter un. Les voisins cherchent une babysitter, c'est l'occasion. Laisse tomber, tu fais pas le poids. Elle va te manger toute crue, la petite con. Ce serait une bonne expérience, ma chérie. Quand j'étais jeune, je gardais un petit dragon. Bravo, Mouyuki. Et puis, il ne faut pas exagérer. Candice n'est qu'une petite fille. Ce n'est pas un monstre. Je veux un poney. Non. Je veux voir le Père Noël. Non. Je veux jouer dehors. Non. Je veux sortir tout de suite. Et moi, je voudrais un Météor 7 Plus. Mais tu vois, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. T'as gagné, respire, on va jouer dehors. Maman, j'ai repensé à ce que tu m'as dit et je suis sûre que j'ai beaucoup à apprendre. Mais surtout toi et ton expérience de babysitter. Du coup, tu pourrais t'occuper de Candice et moi je te regarde. Ma chérie, l'intérêt de l'expérience, c'est de la vivre soi-même. J'ai toute confiance en toi, je sais que tu vas réussir haut la main. Je veux une sucette, je veux une sucette. Bon, je te propose un marché. Si tu la gardes, je te donne 1% de ma paye. 80%. 2. 75. 3% et je dis pas à papa que c'est toi qui as cassé la balançoire. Oh. Allô, Madame Lumberg? Ah oui? On est au magasin de magie. À tout de suite. T'auras 0, la crevette. Ils viennent la chercher. Le petit monstre leur manque trop. Candice! Oh! Candice, chérie! C'est la cata! 50% et je vais te la chercher. Ok. Candice, chérie! Ah! Vous êtes déjà là! On s'amuse comme des petits fous! Oh, oh non! Cache-cache avec Candice et on voudrait juste finir la partie. D'ailleurs, il faut justement que j'aille me cacher. Candice a traversé le miroir. Elle est passée dans le monde féerique. Il faut faire quelque chose et vite. T'es malade? Je vais la chercher. Amuse-toi bien. Trouvé. Hé, hey, toi le poney, tu me ramènes à la maison tout de suite. Primo, je suis pas un poney. Deuxio, je suis en pause déjeuner. Qui parle? Je suis pas un poney. Allez, Udada, Udada, à la maison, à la maison. Allez, 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 à toi. Je te tiens.
Chérie, j'ai le dîner. Pardon, j'ai joué au foot avec ma babysitter dans la maison. Oh, ma pauvre Michette, tu dois être fatiguée. Repose-toi, je vais ranger. Et moi, je vais te préparer un bon goûter. Qu'est-ce qui ferait plaisir à ma princesse? Candice, t'es là? Bonjour, madame. Primo, je m'appelle Hubert et Deuxio, j'aimerais bien pouvoir brouter tranquille. Juste, vous auriez pas vu une petite fille? Elle fait cette taille. Super! Vous pouvez m'aider à la retrouver? Je veux rentrer à la maison tout de suite! C'est pas toi qui décide! On va t'engraisser un peu en attendant que ça bouille, ma petite côtelette! Mais il faut te laver les mains avant de passer à table. Prends tes mains! Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci! Voilà! C'est pas compliqué quand même! Non mais regarde ce que tu as fait. Ma fille avait fabriqué cette fontaine de ses propres mains. Mais ça va par la tête. Comment osez-vous parler à ma fille comme ça? Vous croyez que vous allez m'apprendre la vie en disant oui à tout? Prenez exemple sur lui, ça c'est du papa, du vrai. Maintenant je vais ranger ma chambre et personne ne m'en empêchera. Tom, qu'est-ce que tu fais là demain? Oh, bonjour papy, bonjour mamie. Vous pouvez pas manger Candice, manger des petits enfants, c'est mal. Attends mamie, je vais goûter. Ça a l'air bon. Tu vas voir, c'est encore meilleur quand c'est cuit. Je crois que je la préférerais crue. Mais voyons, ce n'est pas digeste. Je suis sûre qu'avec des frites et du ketchup, ça doit être délicieux. Bon, d'accord. Je la mangerai au goûter. Merci papy et mamie.
Quel appétit d'ogre! On dirait moi quand j'étais petit. Samantha, je ne peux plus me taire. Mon cœur me crie de te dire que je t'aime. Mais c'est impossible! Cindy! Cindy! T'en as mis du temps! Mes excuses, princesse. J'étais juste en train de sauver Candice des griffes de Papy et Mamie. Papy et Mamie? Ils ont essayé de manger ce petit monstre. Berk! Même pour eux, c'est dégoûtant. Bon, on rentre, j'en peux plus d'être une enfant gâtée. À table, ma petite Candice. Je ne sais pas si tu as faim. En tout cas, moi, j'ai un appétit d'ogre. C'est vrai, papa! Tu sais plonger! La tête la première! J'ai été champion de plongeon dans la boue! Ben, il est pas transparent, le champion! Y en a qui bronzent, je te signale! Tu serais capable de sauter d'aussi haut, mon Grégory Chou? Évidemment! Ben alors, qu'est-ce que t'attends pour nous faire une démonstration? Allez, vas-y, champion! On te regarde! Non, mais ça va pas! C'est pas de ma faute si tu nages comme une enclume. Mais maman, j'ai l'air d'un bébé avec! Oh, tu as raison, mon Tominou. Les canards, c'est plus de ton âge. Salut, Tom. Jolis tes brassards. T'apprends à nager? Je sais nager, moi. Je montrais juste à Jojo comment les enfiler et qu'il ne fallait pas oublier de les regonfler de temps en temps. Pathétique. Tu viens, Sophia? On va voir les autres. Ah, c'est trop mignon. Sophia, je ferai tout pour toi. Tom, tu me chronomètres? Ouais, ouais. Passez devant, je vous en prie. Oui, j'ai mangé il y a moins de 2 heures. T'as qu'à demander à mon petit frère. Il est hyper fort. Tom, Tom, toi qui nages comme un dauphin, tu veux pas faire la course contre Léo? Oui, mais c'est que là, j'ai pas mon slip de compète. C'est pas équitable. Ah, dommage, j'aurais bien aimé devoir nager. Laisse tomber la crevette. Sophia, c'est un trop gros poisson pour toi. N'importe quoi! C'est bizarre, je ne vois plus Grégor. Il est sûrement caché dans un coin, mort de trouille. Plus rapide qu'une torpille, plus agile qu'une anguille, je veux nager comme un poisson. Hé, Léo! Toujours prêt pour une course? Dans le grand bain? T'es sûr que t'as pied? Pas besoin d'avoir pied pour arriver premier. Qu'est-ce qui te prend? Compte pas sur moi pour te repêcher au fond de la piscine. À vos marques, prêts, partez! Allez les garçons, allez, allez, allez! Tu m'avais pas dit que ton frère était champion. Bravo la sardine, t'as fait beaucoup de progrès depuis tout à l'heure. C'est vraiment magique. Waouh, t'es super rapide. Bravo. Oh, c'est rien. Comme j'étais pas échauffée, j'ai pas forcé.
Et en plus, il a de l'humour. Tu viens, Tom? J'offre une glace au vainqueur. Carrément! Ah, le voilà, Grégory! Je sens qu'on va bien se marrer. Hé, hey, tu vas sauter, papy! Attends, mon Grégory Chou, je vais t'aider. Oh non! Tiens, Tom. Oh, merci, Sophia. Kin... On se baigne? Non, allez-y, je vais bronzer un peu. Tu me mettrais de la crème dans le dos, Tom? Oh. Oui, j'arrive. Ça t'embêterait de venir? Il fait trop froid dehors, j'ai peur du choc thermique. Toi aussi, t'as une sœur. C'est fou ce qu'on a comme point commun. Dis-moi, comment tu fais pour nager aussi bien? J'ai été recueillie par une famille de dauphins quand j'étais bébé. Ils m'ont tout appris. Dans l'océan, t'as pas le choix, c'est nager ou être mangé. Tom, je peux te dire un secret? Hé, hey, je suis pas un poisson. Tu disais... Tom, j'ai fait des super progrès. Je sais mettre la tête sous l'eau, regarde. Il est trop mignon, ton copain. Jojo, je parle avec une grande, là. Ok, ok. Bon, bah, je vais vous laisser entre grands. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Tu me jures de pas le répéter, hein? En fait, je sais pas nager. C'était ça ton secret? Mais c'est pas grave ça, tu t'en fiches de ce que pensent les autres. Oh. Allez, viens, Sophia, on va faire du toboggan. Oh. Je suis tobogophobe, j'ai la phobie des toboggans. Sérieux, Sophia? Viens, elle glisse super bien. T'arrêtes de nous suivre maintenant. Non, il faut que je vienne, mais c'est un secret. J'ai pas le temps pour les devinettes à deux balles. Alors, la petite sirène, avec toi, on n'est jamais déçu. Je parie que c'est pour bluffer Sophia. Oh, le naze! Tu peux prendre la baguette, ça urge! Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Ma main à couper qui saute pas. Oh, mon Grégory Chou n'a peur de rien. Je peux pas descendre. Je vais me noyer. Allez, vas-y. Ah, tu es mon sauveur, Tom. Avec moi, tu risques rien. Ah, ah, ah,
Ça va, Tom? Oh, bravo, mon Grégory Chou, je savais que t'allais y arriver. Elle est où, Sophia? Mon sauveur.